qu'on a ici. On dirait une ancienne gare. J'avais rendez-vous avec Philippe, mais... Oh, Philippe! Ah ben t'as qui va, Freddy? Ben oui, nous sommes en effet à l'ancienne gare des Fosses. Ça, c'est la ville en effet, qui est devenue Regard. Regard? Oui, Regard. Ah! Regard! Le centre d'interprétation du patrimoine fossois est régional. Et donc là-dedans, on parle du carnaval de Fosses. Le létaré. Et le personnage en train de létarer, c'est... Le Chinel, le voilà. Oh, mais c'est marrant, dit. Il a deux bosses, hein? C'est le Polichinelle, la comédie de l'Arte. Ah, d'accord. Oui, le Polichinelle. Et derrière, nous avons le Doudou. C'est notre ancêtre. C'est ça que ça veut dire, Doudou, double boss? Mais ça y est, Freddy. Non, c'est notre ancêtre. Ouais, c'est tout, c'est le Doudou. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Oui, d'accord, mais je vois qu'il a deux bosses. Comme un chameau, ça veut dire qu'il a un mauvais caractère? Et cocoué, du tout. Nos estants taquins. Le Fossois n'est pas mauvais. Néné. Vous êtes bon comme le pain, hein? Tout à fait. Tu sais, Freddy, il y a d'autres personnages dans le létarier de Fosses-la-Ville. Je te laisse les découvrir. Merci, Philippe. On est toujours en compagnie de Chinal, mais vous faites partie d'un autre groupe de létarés. Clara Bistouille à Belzébuth. C'est le diable, ça? Eh oui, une diablesse. Et des sorcières, on m'a dit aussi, ça est exact? On est accompagné de sorcières, évidemment. C'est malin, une sorcière, mais dans le sens de mal. Ben, c'est une sorcière. Dites, Sylvie, où est-ce qu'on est ici exactement? On est à la place de Marchi. Tous les noms des rues sont traduits en wallon. On Marchi un petit peu? Ok. L'idée des gens de Fosses de s'habiller en chinelle? Ben, c'était des groupes d'amis, oui, qui décidaient de créer une sauce. Les saussons, ce sont des amis. C'est un nom typiquement régional qui veut dire amis. Ils se mettaient en groupe et ils décidaient de créer un nouveau costume, une nouvelle couleur de costume pour le carnaval prochain. C'est comme ça qu'il y a des couleurs différentes? Voilà, le jaune, le bleu, le vert et toutes sortes de nuances aussi dans chaque couleur. Et votre sauce, ça s'appelle comment? Ben, nos autres, c'est les houblontins. Oui. Et fiers dies chinelle, dans les houblontins des Fosses. Là, Olivier, on est au plein cœur de Fosses. Tout à fait, devant la collégiale Saint-Féen. Et c'est un village dynamique? Non, une ville. Fosses-la-Ville. Ah bah oui, c'est une ville. Dynamique, 11 000 habitants, dont 1000 qui participent au carnaval du Létaré. C'est Bramin, hein? Ah bah oui, c'est Bramin. Et tous les habitants? Oui, de tout âge, hein. On a ça dans le capotine dès qu'on est petit. Dans le capotine. Mais en parlant de capotine, on irait pas mettre quelque chose dedans? Non, hein, tout est arrivé ici. Tant pis alors. VC à Fosses, nous avons une chanson qu'on reprend Tortoëchon, l'Ilondil, les Dimaignes, c'est... Les commères ont des gaioles, elles n'ont rien à mettre des dents, c'est tordi pour le rossignol. La 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 la. Tintin, jusqu'au matin.